C'est une autre époque, hein. Imaginez Nintendo faire ça aujourd'hui, hein. Vous achetez un jeu Zelda et ils se disent, tiens, on va vous offrir l'ancien Zelda gratuit. Mais en plus de ça, on va vous mettre la Master Quest qui est la version d'Ocarina of Time, mais repensée et plus dure et avec des dispositions de donjons différentes. Oh, cette musique. Donc nous, on va faire l'Ocarina of Time normal. Hein. C'est quoi film ? Allez, on avait des bandes annonces de jeux. Hot Clips. Voilà, j'ai très peur de cliquer là-dessus. Wario World. Metroid, F-Zero. Hot Clips, je pense que c'est un combiné. Les petites bandes annonces là. Oh là là. Ça c'est l'époque, hein. Ouais, aucune douleur, bon, là, effectivement. Non, mais c'est normal, il faut que tu te reposes, Aoko. Star Fox! C'est marrant que t'aies autant poncé Wario. Ah, celui-là, on l'a fait la dernière fois. La techno des années 2000. Ah bah ISS, c'est marrant, il monte le jeu. Juste avant. Ouah, celui-là aussi on l'a fait. Il monte que des jeux qu'on a. Attends, il a l'air incroyable Wario. Oula. Il a fait bugger. Sunshine. Oh, party 4, putain, qu'est-ce que j'ai pu poncer celui-là aussi. Quelle console n'empêche, quelle console. Utilise la intro des 100% cubes. Le travail est déjà fait là. Là, je me faisais la remarque. On n'est pas encore tombé sur un jeu au tour par tour. C'est étonnant. Oh, Harry Potter. Celui-là on l'a fait la dernière fois aussi. Eh en vrai, la vidéo elle hype trop. D'accord, ça a fait planter le jeu. Juste quand je dis ça. J'allais dire, tu vois ça, t'as envie d'acheter la GameCube. Ça a fait planter le jeu. Tu es hypé ? Arrête. Bon allez. Utilisez la vibration évidemment. Et si tu vois ça, tu as déjà une GameCube. Oui, mais alors en fait ça, je me souviens, ce trailer là, il était sur un DVD aussi. Que tu pouvais avoir gratuitement en magasin. Je me rappelle que j'avais eu un DVD où il montrait les jeux à venir et tout sur GameCube. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas de stream, il n'y avait pas... Oh, cette musique. Ce jeu. Celui-là avec Metal Gear, c'est mon jeu préféré de toute la vie, de tous les temps. Beaucoup par nostalgie, mais... D'ailleurs, maintenant qu'on a joué à Resident Evil, peut-être que je devrais remettre les réglages de base. Bon, pour l'instant, on va pas toucher, mais... Ça devait tourner en fond chez Microania, bah oui. Par contre, le jeu est pas en français. Ah si. Ah, les flèches ne marchent pas. Non. Allez.
Oui, parce qu'à l'époque, c'est fini maintenant, mais on donnait un nom à Link. Il s'appelait pas forcément Link. Dans l'immense forêt d'Hyrule, les siècles m'ont choisi comme le gardien spirituel des bois. Je suis l'arbre Mojo. Les Kokiri sont mes enfants. Ils sont le peuple de la forêt. Dès la naissance, chaque Kokiri reçoit sa fée. Sur 3DS, Ocarina of Time, oui. Mais seul un jeune garçon n'avait pas de fée. D'ailleurs, si je fais un let's play, je pense que je le ferai. Je ferai la... Autant faire les choses bien. Je ferai la version émulée 3DS. Avec les modes 4K et tout, il paraît que c'est incroyable. Après, ils se suivent pas vraiment, donc tu peux vraiment les faire dans l'ordre que tu veux. Bah moi, mon premier Zelda, c'est celui-là. Ah, attends. Non, c'est peut-être celui sur Game Boy. Navi, où es-tu? Viens à moi. Oh, les moustaches de l'arbre Mojo. Navi l'a fait, écoute mes paroles, les paroles du très vénérable arbre Mojo. Sens-tu le danger qui rôde, cette aura ténébreuse qui s'abat sur le royaume? Des forces maléfiques s'activent dans l'ombre et préparent l'invasion d'Hyrule. Je pense que j'avais joué à Majora's Mask quand j'étais très jeune. Ah, en plus il est spécial, hein, Majora's Mask. Je l'ai jamais fait. Hein. Mais de ce que j'en ai vu... Depuis toujours, la forêt Kokiri s'élève comme un rempart contre les forces chaotiques, assurant le maintien de l'ordre et de la loi. Mais face à ce pouvoir terrifiant et infernal, mes forces ne sont que misère. Le temps est venu pour ce garçon sans fée de commencer son périple. Minish Cap, putain, il faut que je le fasse celui-là. Cet enfant dont la destinée est de conduire Hyrule sur la voie de la justice et de la vérité. Va, Navi, trouve notre jeune ami et présente-le devant moi. Il ne me reste que peu de temps. Vol, Navi, vol, le destin de la forêt, qui dis-je, du monde. Dépend de toi. Et tu l'as fini, elle est passée. Ça se trouve, c'est le premier jeu que t'as fait de Zelda. Minish Cap. Ah, on a réveillé Aoko. On va le faire, Aoko, promis. Elle se fait engueuler, la pauvre. Les seuls que 3D que j'ai pas fait, c'est le dernier et Skyward Sword. Bah moi, Skyward Sword, je l'ai refait quand ils l'ont ressorti là sur Switch et j'ai beaucoup aimé. Alors que tout le monde lui crache dessus, j'ai vraiment beaucoup aimé. Eh, Wawa. Debout maintenant. Le très vénérable Mojo veut te parler. Réveille-toi, Wawa. Même moi, tu me réveilles pour Minish Cap. Ah bah on voit ça. Je sais pas qu'il y avait un remake sur GameCube. De quoi, Kentaro? La destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon aussi paresseux? De ce jeu. Bah c'est pas un remake, hein. C'est émulé, hein. C'est un portage. Hein. C'est vraiment la version 64. Hein. Mais ouais. Bah c'était fourni avec Wind Waker. Ah, Navi qui va vite nous saouler. Je pense que t'en as fait plus que moi, du coup. Spirita qui ne me tente mais tellement pas. Faudrait que je fasse d'autres Zelda. Ouais, moi aussi, non. C'est fou parce que c'est une des licences que j'aime le plus et je me rends compte qu'il y en a tellement que j'ai pas fait. Par contre, ils se sont vraiment pas cassés la tête.
En haut, c'est les trucs de Nintendo 64. Ils ont même pas mis les boutons GameCube. Ah, Saria. Salut, Wawa. Ils auraient pu faire un effort quand même. Quoique non, je dis une bêtise. 64, c'est pas rouge et vert. Ils ont quand même changé la couleur du bouton rouge et vert. Ouah, une fée. Enfin, tu as reçu une fée, Wawa. Yippie, quelle bonne nouvelle, je suis si heureuse. Tu es maintenant un vrai Kokiri. Ouais, il m'a convoqué, ouais. Ouais, je sais. Link, c'est moi qui tente pas trop. Putain, mais il est pas considéré comme un des meilleurs, celui-là. C'est la fée pas chier. Oh, ce jeu. Hey! Listen! Suis-moi vite, sauf que bah en fait c'est toi qui me suis. Allez, fameux saut automatique. Donc lui il va me dire non, tu passes pas parce que voilà. Monsieur, j'ai pas de fée. Sans fée, t'es même pas un vrai Kokiri d'abord. Quoi, tu as une fée? Comment? Là, Mojo t'a convoqué? Hein? Hein? Avec sa tête là. Et pourquoi je suis pas convoqué moi? Le grand Mido. C'est pas juste. Je te crois pas. Mido, c'est un nom de Zora ça. Tu n'es même pas équipé. Comment pourrais-tu arrêter le vénère Mojo? Sans épée ni bouclier, hein? Quoi? Ok, mon équipement non plus n'est pas prêt, mais. Et puis de quoi je me mêle? Si tu veux passer, équipe-toi d'abord d'une épée et d'un bouclier Minus. Ok. Alors évidemment, c'est la caméra, on la dirige pas, hein, donc il faut faire confiance au jeu. Je crois qu'il y a... Attends, c'était pas Z pour... Ah non, c'était L et R pour mettre derrière. C'est le bourson mozo. J'en gagnais moi-même quelqu'un qui streamait au lieu de Dodo. Mauvais ping. Mais pas Mido. Ouais, mais justement, il a clairement un nom pour être un Zora. C'est le nom de prêtre de la cathédrale des ombres. Et mes rêves sont... Ah oula. J'ai pas la rêve, ouais. Il y a trop de B dans ce chat. Tu arrivais jusqu'ici tout seul, comme un grand. T'es un homme, un vrai de vrai. Regarde, belle vue, non? Tu peux jouer ton angle avec... Ok. Attends, ah bon? Ah oui. Ce blanc me fait beaucoup rire. C'est vrai qu'il y avait une vue première personne, j'avais oublié. Alors attends, il n'y avait pas une technique. Ouais, parce qu'il faut, trouver des rubis pour acheter un bouclier. Je me rappelle quand j'étais petit, la première fois que j'ai eu le jeu, je suis resté bloqué ici. Je trouvais pas l'épée. Permet de fusiller des démons. Ah oui, d'accord, ok, je connais pas. Je sais plus combien écoute le bouclier. Mais Mido, c'est un intervalle majeur. Les auras sont plus subtiles que ça. Oula. Ah oui, d'accord.
Je veux participer à ce genre de discussion, j'ai aucune rêve, sauf Breath of the Wild et TOTK. Alors, bah là, Brocoli, il parlait pas de Zelda. Hein. Et justement, il y a les Zora dans Breath of the Wild et TOTK. Tu sais, ils ont des noms à base de notes de musique. J'ai la ref d'Ocarina of Time seulement depuis 2 mois. C'est vrai que tu viens de le faire. Ok, donc voilà, je savais pas que l'épée était là quand j'étais petit. J'ai passé des heures à tourner ici, je comprenais pas. Ah, j'ai gagné un rubis parce que j'ai fait un salto. Wow. Alors, c'est ça qui t'explique ici, je crois. Ok. C'est dangereux d'aller seul, il te faut une épée. Exactement, non. C'est le parfait opposé. C'est vrai que t'as fait tous les jeux qu'il a pas fait. Je suis pas trop vieux jeu. T'es pas vieux jeu. C'est pas écrit sur le panneau. Ouais, si, ils te le mettent sur le panneau. J'aime pas les jeux moches. Mais c'est pas moche ça! Non, en vrai c'est moche. J'avoue que si je l'avais pas fait à l'époque, peut-être que ça me rebuterait, mais. Ouh là là! Mais en vrai il est incroyable. Après c'est la nostalgie aussi. Hein. Comme toi avec Spyro. Voilà, même Aoko te confirme que ça se fait très bien. L'épée Kokiri! Undertale c'est moche, là ça va. Oui là ça va en vrai. Hein. C'est plus le gameplay je pense qui est peut-être un peu compliqué. Le fait de pas pouvoir bouger la caméra et tout. J'ai eu la PS1 et c'est tout. Skyward Sword est moche mais top. Il est pas moche Skyward Sword, il est beau. Les petits côtés pas, enfin aquarelle là et tout. Non mais oh. J'arrive déjà pas à tuer des buissons. Et la Game Boy Color aussi. Ah ouais. J'ai toujours trouvé les dessins affreux. C'est vrai? Même sur Switch? Putain, je l'avais trouvé beau. Enfin, je trouve qu'il avait une patte, quoi. Mais y'a rien dans ces trucs. Est-ce qu'on a assez pour acheter le bouclier, là? 38. Ça va être 40. Salut, Wawa, regarde par là. Regarde-moi avec L et parle-moi avec A. Bravo, voilà comment s'utilise une fée. C'est vraiment chouette d'en avoir une. Hein. Mais c'est ce que je viens de faire, c'est bon, merci. J'aime pas du tout ce style. D'accord. Oh, les musiques. J'ai pas écouté, mais c'est pas grave. 40 rubis, j'en étais sûr. Attends, je crois qu'il y a de la thune là. Allez, c'est bon. Moi, Brocoli, je l'ai fait sans ça. Hein. Sur Switch, t'as une option que tu peux jouer sans le motion gaming.
Ouais, c'est ça, Juju. À l'époque, comme il est sorti sur Wii, c'était un jeu où tu mettais des coups d'épée avec la Wiimote. Vraiment. Genre horizontal, vertical. En vrai, il y avait des bonnes idées hein, dans le gameplay. Mais je l'ai pas équipé. Mais j'avoue que je l'ai enlevé, moi, sur Switch. Je peux pas. Même en stream, tu vois, je... Être là, là, ça me gave au bout d'un moment. Attends, je sais qu'il faut aller voir la Bombojo, mais je me souviens plus. Est-ce qu'on peut déjà aller dans la forêt là-bas? J'ai pas eu besoin des noms à moi avant 2007. 2007, c'est la Wii du coup. Ah, on peut déjà aller dans le bois perdu. Bah moi ma première console de ma vie c'était une Nintendo, c'était la Super Nintendo. Le fameux bois perdu. Mais bon on va pas aller là. On nous attend, l'arbre Mojo nous attend. J'ai ma Wii depuis 2021. T'as acheté la Wii en 2021? Solide sur les appuis, Link. Hein. Sacré saut, quand même. Non, moi, je les ai toutes eues. Super Nintendo, GameCube, Nintendo 64. Même la Wii U, je l'ai eue, c'est dire. Oui, plus DS d'un coup. Plus nouvelle voiture décapotable. Crise de la 35. C'est pas le même budget, ça. En portable, t'as tout eu. Bah moi, en portable, j'ai pas tout eu. J'ai pas eu la 3DS. J'ai tout eu sauf la 3DS. Attends, comment on lock déjà? Là c'est le bouclier. Ok. J'ai mis un Virtual Boy. Sérieux? C'est collector ça? J'ai acheté une GameCube genre 2015, mais depuis qu'on y a joué avec ma soeur en pleine nuit et que la télé a fumé, on n'y a jamais retouché. Ah, je pense pas que ce soit possible que la console ait cramé la télé. C'est dommage du coup. Moi, je savais pas que t'avais une GameCube. J'ai 10% de la ludothèque. Mais y avait vraiment une grosse ludothèque sur le Virtual Boy. Je pense pas en plus, j'ai peur. Ça se comprend. Mais ils viennent à l'infini. C'est pour faire son petit stock de bâtons Mojo ici. On va le mettre là. Là par contre, quand il sauvegarde, il repasse sur le truc GameCube, c'est trop bizarre. Oh, je me fais mon stock, hein, j'en ai rien à foutre. Hop. J'ai 4 jeux. On avait juste un jeu James Bond. Un jeu James Bond sur GameCube? Ah bah vivement qu'on tombe dessus. Je crois qu'il y en a plusieurs d'ailleurs des James Bond sur GameCube. Wawa, sois le bienvenu. Écoute bien, jeune enfant. Ça, on peut pas passer, par contre. J'aurais eu envie de réessayer en achetant un autre jeu, mais le prix... Bah, c'est ça le problème.
Malheureusement, les jeux GameCube sont très chers. Enfin, après, ça dépend lesquels. Hein. Je pense que Universal truc, tu peux le trouver pas cher. Quoique, si ça se trouve, il... ça se trouve, il est super cher. J'ai le jeu Shin Megami. Je suis vraiment un gros nerd. Auras-tu le courage d'entreprendre cette noble... Bien sûr. J'avoue que ça aurait été cool, genre que tu découvres. Mais après, le problème, c'est qu'il te faut une télé... avec une prise Péritel, quoi. Le problème, c'est que pour jouer à une GameCube, il faut du comme une PS1, il faut une télé cathodique. Parce que sur les LCD et tout, c'est... Même si t'arrives à... avec un adaptateur et tout, c'est... ça ressort de façon tellement dégueulasse. Les petites toiles d'araignée. En vrai, je pense qu'on peut essayer de faire le premier donjon, dit-il alors qu'il se fait déjà déglinguer la gueule. Il y a des shaders sur émulateur pour émuler ça. Le côté écran cathodique là ? Ouais, je sais. À chaque fois, je fais B pour quitter, alors qu'en fait, B c'est pour sauvegarder. Ah, tu mûres les racines. Oui, je sais, Navi, je sais. Émule à quoi? Tu peux émuler sur émulateur le fait d'avoir une vieille télé. Oui, oui, c'est vrai que dans les compiles, des fois, ils l'utilisent, ça. Enfin, ils te laissent le choix. La carte du donjon. Alors, voyons voir la carte du donjon. Bon, ça va, il est pas très grand, ce donjon. Ah oui, il faut la boussole, parce que sans la boussole, on ne sait pas où on est. Place-toi devant une porte et ouvre-la. Oui, c'est bon, Navi. C'est bon. J'ai des prises Péritel sur mes deux télés. Ah ouais. Ah bah, elles doivent dater, non? Pardon Seigneur, je te donne un indice. Tu me laisses partir, ok? Tu possédais d'une falaise sans te faire mal. Bon d'accord, ça ne marche pas à tous les coups. Surtout si la falaise est super haute. Essaye quand même. Je regarde en parallèle un reportage sur l'inflation, ça me rend malade. Oh là là. L'inflation. Attends, c'est quelle porte du coup? Chaque fois que je fais les courses, je pleure. Hein. 2009 ou 2010? Ah ouais, d'accord. J'ai les prises Péritel aussi, putain, mais. Ah ouais, date vos télés. Parce que moi, ma télé avant celle-là, c'était une. Déjà, ma télé avant celle-là n'avait plus de prises Péritel, il me semble. On n'a pas tous une dernière dans l'écrit. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais par contre, je me souviens de mes écrans plats qui avaient des prises Péritel. Et quand tu branchais un truc un peu ancien, mais c'était horrible l'image. C'est pas fait pour, quoi. Le lance-pierre.
veux pas péter l'ambiance. Non, mais de toute façon, après, voilà, on le sait, hein, que l'inflation, c'est la merde de ouf. Hein, Attends, je me souviens pas de ça. Comment on va là-haut ? Alors par contre, on va peut-être équiper... Ah oui, non, on va pas là-haut en fait, on tire dessus avec le grab, ok. Oula. Alors attends, je vais peut-être le mettre sur bas alors, parce que c'est un... Sur 64, c'était un... des boutons, mais là, c'est un stick. Alors, c'est pas évident. Voilà. Les jeux n'étaient pas faits pour des pixels non baveux. Bah c'est ça. C'est pour ça que ça tout paraît moche sur les LCD. Alors que sur les écrans cathodiques, ça nous paraissait tellement beau. C'était fait pour. Certains se demandent pourquoi il y a moins d'enfants. Bah oui. Puis c'est tellement pas un budget d'élever un enfant. Aïe. Mais ça, Juju, elle a fait sa part du réarmement démographique. Cette musique de fond a été un moment une sonnerie de mon téléphone, c'est vrai? C'est dur, du coup j'en ai fait un deuxième. Parce que moi j'aime quand les choses sont compliquées. Petites araignées. Les noix mojo, ce sont les noix de l'arbre mojo. Attends. Et les grosses noix là, c'est quoi les noms? Attends, c'est quoi la différence entre les noix que tu jettes au lance-pierre? Sac de graines? Ah non, c'est des graines mojo et les noix mojo, ok. Quoi coup baise. Merde, merde, merde. Tiens, le compagnie quand t'es pas là. Ah ouais, non. Ça marche pas comme ça pour les gosses. Enfin, pas avant un certain moment. Yeah. 206 comme ma voiture. Félicitations. Alors. Là, il faut allumer le feu. Donc là, c'était avec le bâton. Hop. Attendez, comment on le range? Pas comme ça. Ah
Attends, mais du coup... Ah oui, non, d'accord, ça n'a rien à voir en fait. Comment on range le bâton ? Sans mettre un coup d'épée. Et merde. Mais t'es quoi avec une 206 ? Ça casse le mythe. Bon, elle était... La 206 CC là ? Elle était mignonne à l'époque. Oh, le bruit des araignées là. Bah, je crois qu'elle a bugué. Je pense qu'on n'est pas censé être là. Je reviens. Bon pipi. D'accord. Ah, ça va être la boussole, je pense. Moi, je l'ai déjà, la boussole. Je l'avais pas. Donc là, on peut se casser. Alors attends, je me souviens plus. Est-ce que dans celui-là, quand on a vidé une salle, on le sait ? Ah oui, on le sait, les coffres apparaissent. Ah, les coffres apparaissent aussi avec la boussole. Ok, ça va mieux, tu m'étonnes. Tifer, ah, il se rappelle dindin du Tifer. Bon bah c'est bon, maintenant on peut descendre en fait. À chaque fois j'appuie sur B. Là on a tout fait là. Ouais. Et ben on va y aller. Ça pareil hein, quand t'étais petit il fallait y penser à... Je veux dire qu'il fallait sauter d'ici pour casser la toile en bas. J'ai raté. Merde, je me trompe de bouton. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Navi? Je trouve ça cool comme nom, Tifer. Bah oui, c'est cool, c'est mignon. Ça lui arrive encore. Il est pas prêt d'avoir un prénom. Attends, mais pourquoi ça va pas casser la toile là ? Ou alors il faut mettre le feu, mais y a pas de feu ici. Non mais il me semble qu'il fallait sauter.
C'est vrai, Oko. Oh là là, ça va être ma faute, ça, encore. C'est quoi les prix? Vas-y, dis-nous. Fais-nous rigoler. Oui, complètement. J'assume. En vrai, si jamais tu trouves un petit Wind Waker pas cher et que tu le fais sur GameCube, je pense que ça vaut le coup, non? Parce que là, on est d'accord qu'on peut pas monter plus haut. Comment j'ai fait pour rater mon saut? Parce que Navi te l'avait pas encore dit. Non, je pense pas. Je pense pas que dans le speedrun ils écoutent Navi. Hein. Ou alors y avait pas un délire comme quoi il fallait mettre un coup d'épée en tombant? Yes! Putain, mais. Oh là là. En plus, je fais droite pour bouger la caméra, j'utilise mes noix mojo. Ah, par contre, je vais crever là. Heureusement que c'est le début du jeu. Bon bah joli saut, putain, j'ai réussi à tomber pile à côté. Bon état 80€, parfait état 220. Putain, c'est fou. Surtout quand tu sais que ça fait partie des jeux qui a eu le plus de plus vendus, de plus disponibles, tu vois. Oh. Oh ouais, j'imagine même pas les jeux un peu obscurs. Ah quand même, 80 balles, ça fait mal. Hein. Chez Zika, 50. Pff, oula, l'araignée, reste tranquille. Ça fait mal quand même. Bon, on va y arriver. Oh yeah. Ah bah là, avec cette musique, je peux pas rater mon saut. Mes ampères de Odama. C'est quoi Odama? Pourquoi tu l'as payé combien? Ça va Ambrosis? Mais ça va et toi? Comme tu peux voir, on est quand même sur un jeu plutôt culte. Bon allez. Ah bah voilà. Mais pourquoi là? Vraiment, il faudrait tomber au milieu. Ocarina, voilà. Valeur sûre. Ah ouais. Et ce soir, on est tombé sur... on a vu ça, on a eu Resident Evil 1. Le remake, là. Gros jeu, ça aussi, hein, de la GameCube. C'est un jeu GameCube de stratégie et pinball qui utilise le micro pour donner... Putain ! Ça me dit rien. Ok. Ouais, évidemment, la visée est inversée. Il est dans la liste. Bah peut-être. Mais du coup, s'il faut un micro, c'est mort. Attends, on peut pas aller à gauche là? D'accord. Ah, peut-être que ça peut émuler le micro, mais je verrai. Pareil, il y a des jeux comme le jeu de Donkey Kong là où tu joues avec les bongos là. Bah ça c'est mort. Hein. Sauf s'il y a une façon de jouer avec la manette, mais même ça, on va perdre tout l'intérêt du truc. Attends, mais
me dire que je suis déjà coincé là. Comment on faisait ici déjà? Ouais non mais je peux monter là. Pourquoi je me... Jusque dans l'eau là, il y a un niveau. Non j'ai pas de dance pad. C'est pour ça que j'ai pas... Ça va être compliqué aussi pour les jeux genre... J'ai vu qu'il y avait un jeu Mario Dance là. C'est ça, Mao Dance Dance Revolution. Oui, tu peux configurer un micro dans le... Oui, là, je pense que c'est pas le plus compliqué, le micro. Ryoko. Bonne nouvelle pour les voisins du dessous. Voilà. Alors, je suis sûr que vous aviez tous envie de me voir danser. Mao versus DK? Non, je pense pas. Après, j'ai pas bien vu ce que c'était, hein, mais... Alors attends. Ça normalement on peut brûler là-bas. Donc je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il peut pas me laisser lire le chat tranquillement, lui. Si je mets pas le bouclier, c'est sûr. C'est un indice, vas-y, envoie. Tu ne pourras jamais battre mes frères si tu ne respectes pas un ordre précis. Le bon ordre est 2, 3, 1. 23 est numéro 1. Je suis un traître. Tu vas le prendre toi, Ambrosis? Bah remarque, oui, c'est sur Switch, donc j'imagine. Et maintenant, il faut fermer les yeux. C'est fini, j'ai pensé à Wind Waker, c'est fini. Mais alors du coup, tu l'as jamais fait Wind Waker, Aoko? Mais tu l'as déjà beaucoup vu en stream et tout, c'est ça? Jamais, d'accord. Oui, ok. Donc si je le fais, en vrai, ça va pas te spoiler. Oui, direct. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ok. Ouais, il faudrait que tu le fasses. Hein. Après, j'avoue que... vu les prix, ça va pour froidir. Hein. Mais en vrai, le faire sur une GameCube d'origine, c'est stylé. Là-bas, il y a un interrupteur, effectivement. Effectivement, Navi, bien vu. C'est vrai qu'il y a du temps. Vite! C'est quand même vachement gentil les araignées de nous tourner le dos pour nous montrer leurs points faibles. Ça, on le dit pas assez. Hein. Oh, elle est insupportable. J'ai pas perdu dans mon coin, j'ai pas streamé. Ah ouais, pourquoi? 10 ans que les prix me froidissent. D'ici là, j'aurai investi dans un PC et je le ferai en émulate. Ouais, je comprends. Et le pire, c'est que plus t'attends, plus les prix... plus les prix grimpent. C'est pas que à cause de l'inflation. Putain, je suis en train d'utiliser tout, mais... Toutes mes noix, parce qu'à chaque fois, je tourne à droite la caméra.
Tu vas jouer tranquillement dans son coin en mode puni. Ok, bon en vrai. En vrai, y a pas d'obligation. Hein. Bien évidemment. Qu'est-ce qu'il était bien ce jeu quand même. Ouais, il y avait déjà ça ici. Je me rappelais pas de ça. Ça me dit rien non plus. Je me rappelais pas qu'il y avait déjà des petites araignées. Mais putain, il faut que j'arrête avec ça. Attends, c'est pas une porte ça? Ok. On est d'accord que ce premier donjon, c'est un couloir en fait. Tu peux pas vraiment te perdre. Donc là, on revient dans la salle où on était. Voilà, parfait. On pousse ça. Si jamais on tombe comme un con, faut pas faire tout le tour. De toute façon, on va être obligé parce qu'il faut aller chercher la flamme. Merde! Et pourquoi il a pas attaqué? Il l'a rangé? Alors tout à l'heure, je me demandais comment on rangeait le bâton. Gojio. Donc c'est lui là, ses frères. Alors c'était 2-3-1. Merde, je suis trop loin. 2-3. T'as donné notre secret. Je suis tellement en pétard que je vais te dire le point faible de Goma, notre reine. Pour l'administrer, le coup de grâce, frappe son œil avec ton épée après l'avoir étourdi. Oh ma reine, ma petite reine, je suis un traître. Quoi? Et là, ton ton ton. Tu as tapé un œil, l'œil est un point faible dans un jeu vidéo.
Et je me resserre à boire parce que c'est quand même un moment émouvant là. À la tienne, à la vôtre. On tourne toujours au sirop pêche abricot là. Je suis à ça en ce moment, j'aime bien. Je suis sur le cul. Putain, il faut que j'arrête avec ça. Vraiment pire truc d'avoir mis des objets sur le stick droit quoi. Dès que tu veux bouger la caméra, tu utilises une noix. Par contre, il n'y a pas de lumière là. Hein. Attends, comment on active le combat? Ah, je crois que c'est... Attends, si c'était ça, c'était très intelligent de la part de Nintendo. Genre, il fallait que tu regardes en haut, non? Ouais, voilà, c'est ça. Alors, on est encore dans le tuto. Hein. Ah oui, elle est fermée. Alors, tiens... Je sais pas si on peut l'empêcher de remonter. J'imagine que oui. Attends, est-ce que... Reste là! Cette musique, ouais. En vrai, ça va parce que c'est, ça ressemble pas trop à une araignée. Vraiment, quand j'étais petit, ça me faisait pas si peur que ça. Mais est-ce que je peux la shooter quand elle est là-haut, là? Normalement, oui, là. Non? Ah, peut-être pas. Elle est relou. Pourquoi la première fois j'ai pu lui mettre une série de coups d'épée là, non? Ouais, bon c'est là. Et le pire c'est que je vais crever. Non, ça je m'en fous. Des cœurs s'il vous plaît. Le jeu il me troll. Ah. Elle meurt jamais. Il y a un truc que je fais mal. Normalement je pense que t'es pas censé la laisser pondre. Merci, le premier boss. Oh là là, le petit cœur là. Qu'est-ce qu'il est bien ce jeu. Merci Aoko.
Merci Nana. Ah c'était pas facile hein. Je pense que c'est le combat le plus dur du jeu. Il doit y avoir un moyen de l'empêcher de pondre. Mais c'est bizarre parce que j'arrivais pas à la lock quand elle était en haut. Donc je pouvais pas tirer avec le lance-pierre. Ou alors faut le faire à la première personne, mais c'est trop dur de viser. En plus les commandes elles sont inversées. J'ai été aidé par le traître. Les traîtres. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de pousser au moins jusqu'à... On va jusqu'au château. Juste pour voir la petite place du marché là. Et puis après on... Il est quelle heure? Bon, on peut faire encore un autre jeu. Je pense que Aoko elle sera d'accord pour qu'on fasse un autre jeu. On tue Ganon et puis voilà. En vrai je pourrais arrêter là mais... Je vais au moins essayer d'aller... Je veux voir le château. C'est rapide ce jeu. Franchement, ça se fait vite. Même le 100%, il est pas si long. Alors si c'est Pokémon Gotham, je mets mes 100 000 bambous pour le reporter. Et bah tu sais que t'as bien fait de m'en parler l'autre fois parce que... Je l'avais pas. J'ai vérifié et effectivement j'avais le full set Gamecube, mais Colosseum il avait disparu, je sais pas pourquoi. Il a dû avoir un problème à l'extraction de l'archive ou... Du coup je l'ai repris, à part. Quel dommage. Grande fan de Pokémon. Ah là, si c'est Pokémon. Pokémon Box, c'est juste de l'espace de stockage. Ouais, ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ils ont vraiment fait un jeu où tu pouvais juste pour stocker. C'est des grands malades. Tu peux enlever. Bah, je vais le mettre et. Quand il sortira, on fera next, quoi. C'est l'ancêtre du Pokémon Home. Oh mais c'est grave quand même. Genre c'était payant. Tu payais un jeu juste pour avoir du stockage. Là tu payes un abonnement, c'est pire. Attends, aujourd'hui pour stocker des Pokémon il faut payer ? 12 euros par an? Oui. Oh mon dieu. Mais comment vous pouvez encore soutenir cette licence? Ils vous respectent pas. Hein. Bon après je dis ça mais... Pardon? Ah, je sens qu'Aoko elle a envie de se mettre à Pokémon là. 12 euros par an et par Pokémon, évidemment. Ah, ça coûte cher la pension. Ils sont au chenil. En vrai, je pense que c'est pas une très bonne idée ce que je viens de dire là, d'aller jusqu'au château, parce que je crois qu'il va y avoir énormément de blabla là. Il nous crache dans la gueule et on applaudit. Finalement, 50 euros pour un jeu de. Un chef-d'œuvre. Probablement le meilleur jeu de la GameCube d'ailleurs. C'est donné. Finalement, Digimon, c'est pas si mal. Hein. Il y avait Digimon sur GameCube? Je crois pas. Je vais checker, mais je crois pas. Ça, j'ai trouvé ça tellement beau quand j'étais petit. Genre vraiment, j'étais là en mode... Waouh. Les pierres là, que ce soit celle de la forêt, celle de l'eau ou...
Il y a Digimon World 4. Ok. Il me semblait pas avoir vu dans la liste, mais... J'achète mon jeu direct. Oui, oui, vérifie que la console fonctionne. Ça serait con de l'acheter. Je t'en prie. Voilà, c'est triste parce que l'herbe mojo va nous quitter. Moi, c'est le château. Genre, quelle partie du château? Parce qu'en fait, en final, le château, t'as la place du village, là. Après, t'as la phase où tu... Un peu infiltration avec les gardes. Ouais, le ranch lon lon avec les... Mais les musiques, en vrai! Les musiques du jeu. Ouais, la grande place. La place du marché, là. J'avoue, c'est stylé. Mais c'était... Ah bah d'ailleurs, on va le voir. En fait, là, je pense que ça va être moche. Je pense que ça va être moche parce que c'était du pré-rendu. Et donc, on va voir la différence. Qu'est-ce qu'il veut, lui, encore, là? Il me laisse pas rentrer, il me laisse pas sortir. C'était la même méthode que pour les décors que pour Resident Evil, justement. Donc, c'est en pré-rendu. Donc pour l'époque, le pré-rendu, ça permettait d'avoir des trucs super beaux. Mais là, vu que l'émulateur, il améliore les parties 3D. Donc là, on va dire... Non, non, je voulais pas te parler, quoi. C'est quoi un château? Laisse, t'inquiète, je gère. On va dire au revoir à Saria. Et elle va nous donner l'objet du jeu. Tu pars déjà? J'ai reçu qu'un jour, tu quitteras la forêt. Et oui, je ne suis pas comme vous. Car tu es différent de nous. Ce n'est pas grave, nous serons tes amis pour toujours. Nous serons amis pour toujours, n'est-ce pas? Je veux que tu gardes cette ocarina. Prends-en grand soin. On peut pas passer. J'ai trop toujours fait rire comment il partait Link là. Hop. Oh, la femme. Mais là c'était le futur. C'était un open world là pour nous. Oh, on va se taper le hibou qui va nous raconter sa vie 3 semaines. Je vous dis ce qui va se passer. Je vais pas arriver à temps au château, il va faire nuit et du coup je vais me retrouver coincé. Tu m'étonnes que dans les speedruns ils mettent le jeu en jap. Ah, ça va plus vite hein. Et du coup moi je pense aux traducteurs à l'époque qui ont bien dû se faire chier. Ah ouais, j'ai appuyé sur non, putain, heureusement qu'ils ont permis d'accélérer. C'est bon, j'ai compris. J'étais sûr, bah oui, j'étais en train de spammer comme un con. Heureusement qu'on peut accélérer. Putain, j'avoue, j'appuie sur B. Alors que je vais juste faire des roulades. Là, y'avait pas un truc comme quoi la façon la plus rapide de se déplacer dans le jeu, c'est en faisant des saltos arrière. Et je me faisais avoir à chaque fois. Ah, je pense que... Voilà, il va faire nuit.
Je vais me faire avoir. Non. Oh, cette orangée là du coucher de soleil. Oh, c'est... Oh, la musique. Ça, c'était vraiment la salle des fouloirs. Bonjour monsieur le garde, je casse tout. Hein. Ça c'est du garde. Hein. Ah c'est bon, on s'est bien défoulé. Roulade Dark Souls. Mais tu sais que Dark Souls a beaucoup emprunté à Zelda. Hein. Ah la place. Ouais, là on le voit là, le précalculé là. Genre la porte par rapport à la maison. Avec les petites cocottes. Là-bas il y a le temple. Malon la bête. Je me rappelais pas de cette mamie là. J'ai gagné beaucoup d'argent. Moi j'aime vendre des trucs et des machins. Faire des sous près du lac il y a. On dirait trop les photos de chez l'opticien pour une aide de vue. De quoi? J'ai fait quasi aucune quête dans la ville. Bah, je sais pas s'il y a grand chose à faire en fait, vraiment ici. Je sais qu'il y a la quête des masques là qui est infinie. C'est qui là-bas qui attend la Switch 2? Tu l'attends comme ça la Switch 2 toi? Pitié avec ses pitiés, vends-moi un truc, pitié. Il veut une Switch 2, vends-moi la Switch 2. Ah, avec l'explication du flou. Non, l'eau, il cherche quelque chose aussi. Hein. Là, l'escalier, clairement, voilà, il est pas en 3D. Ah, mais on peut monter. C'est fou. Eh, merde. C'est moi qui ai acheté Wind Waker. Quête mini-jeu, quête des masques, flemme immense, j'avoue. La quête des masques, je crois que je l'ai jamais fait non plus jusqu'au bout. Faut aller voir machin, après qu'il doit avoir machin, tu vois. Puis tu sais pas, le jeu il te dit pas. Et là-bas, il y avait quoi dans la ruelle? Chasse au trésor, fermé pour le moment. Ouverture ce soir. Il y a des quêtes secondaires. C'est pas vraiment des quêtes secondaires. Mais oui. Si tu veux tous les quarts de cœur par exemple, il y a plein de trucs qu'il faut que tu fasses. Zelda préférée. Ah le Wind Waker. Ah bah ça suffit hein. SN. Oui parce que t'étais pas là en Wallis. En fait, Aoko a une GameCube. Qu'elle a pas branché depuis très longtemps. Et du coup, on a émis l'idée que ce serait cool que, comme elle a jamais fait Wind Waker, de le découvrir sur la GameCube. Never. Imagine la console est hantée. Genre... Attends... Hantée dans le sens, elle va cramer ta télé? Ah!
Ah bah c'est ça le truc. Mais c'est... Non mais en vrai, est-ce que c'est possible qu'une console crame une télé? Ça envoie vraiment un courant électrique, ça envoie juste un signal vidéo. Ça envoie pas de courant. Enfin, je sais pas, peut-être que je dis une grosse connerie. Encore. Bon sinon on va aller au temple du temps vite fait et on s'arrête. Et je pense quoi, on va lancer un autre petit jeu. Un petit Pokémon Colosseum là. Je sais pas ce qui s'est passé. Ah, je pense que c'est vraiment juste pas de chance. Ça se trouve elle aurait cramé quoi qu'il arrive la télé. Prête-la un pote. Tu prends ta game, tu mets ta GameCube dans un sac, tu vas genre chez Darty. Bon, par contre, faut trouver une télé avec une prise Playtel, ça va être compliqué. Les télés exposées là. Tu branches ton bordel. Et voilà. Bon bah c'était Ocarina of Time, c'était bien cool et on le fera. Bien évidemment, mais comme j'ai dit, je pense que si on fait un let's play complet en stream, on fera la version 3DS émulée sur PC en 4K, qui a l'air très très jolie. Et je crois qu'elle est plus moderne dans les commandes aussi. Donc voilà. Faut un pote et un pote avec une prise Playtel, c'est vrai. Et puis surtout, il faut une raison pour qu'il branche la console. Donc il doit avoir des jeux aussi. Trop rapide, mais il y a peu de chance. Le mieux, c'est d'aller dans une boutique réto et de leur expliquer. Ils seront heureux de tester. Ils seront heureux de tester. Bonjour, j'ai une GameCube. Alors, je crois qu'elle a fait cramer ma télé. Bah écoutez, on va essayer, ça fait plaisir. J'ai plein de télé... J'ai plein de télé à cramer. Bon voilà, c'était Ocarina of Time. Et c'est chef-d'œuvre. C'est chef-d'œuvre. En vrai, c'est un peu de la triche parce que c'est plus un jeu Nintendo 64, mais il est sorti sur GameCube, donc ça fait partie des jeux GameCube, c'est comme ça.